Et le premier président de la Cour des comptes, André Chandernagor, pardon, a donc présenté le rapport cet après-midi au président de la République. Écoutez son analyse sur les erreurs de gestion les plus fréquentes dans le secteur public. Lorsque nous nous lançons dans une politique de grands travaux, le malheur est que, généralement, nous ne savons pas très bien au départ ce que nous voulons faire. Alors, on change de programme en cours de route. Et il s'ensuit des coûts considérables et imprévus. De même, il est rare qu'au départ, on calcule les frais de fonctionnement. Alors on a parfois des surprises douloureuses. Chaque année, la Cour des comptes relève ce même type d'irrégularité, de faute de gestion. Alors est-ce que ça veut dire que décidément l'État est vraiment un très mauvais gestionnaire et qu'il n'y a aucun espoir que ça s'améliore? Non, parce qu'elle les relève dans des services différents, sur des budgets différents. Et là ou là-bas, les choses se sont corrigées. Je crois qu'un de mes regrets, c'est que le rapport public annuel de la Cour des comptes donne parfois une impression fausse de la qualité de l'administration française. En réalité, nous avons une administration qui, dans l'ensemble, marche bien. Je pense que, dans la mesure où nous faisons de plus en plus de l'évaluation de politiques publiques, de grandes politiques publiques, il serait souhaitable que nous puissions publier dès que nous avons terminé l'enquête. Je prends un exemple. Il y a dans ce rapport public toute une étude intéressante sur les constructions universitaires. Et vous savez quel problème c'est actuellement. Eh bien, si nous avions pu, il y a déjà 6 mois, et nous l'aurions pu il y a 6 mois, publier cette enquête, je suis convaincu qu'elle aurait alimenté heureusement le débat démocratique. Mais nous avons été obligés d'attendre le 30 juin.